Depuis 2012, Julie Andrieux est à la tête des carnets de Julie sur France 3. La chaîne publique a redoublé sa confiance en son animatrice en lui confiant les Run Day, une nouvelle émission, baptisée Les Potagers de Julie, lance le samedi 24 septembre 2022. Dans la foule des, un épisode des carnets de Julie, suivi par 693 000 téléspectateurs, Julie Andrieux a pris la tête des potagers de Julie. Sa nouvelle émission a été distillée par France 3 entre 16h14 et 17h06. Elle est, et voulue prometteuse en séduisant 705 000 téléspectateurs, soit 9 ensemble du public. Une semaine plus tôt, la 3 avait convaincu 281 000 personnes avec Ma Vie des, excellence dans cette mime case horaire. Dans un entretien à Corde à tes loisirs, Julie Andrieux en a dit plus sur sa nouvelle émission. Y une maraîchère professionnelle, Lola Perrier, M, enseigne les rudiments de la culture des « un legume » dans mon potager, chez moi, aux ses droits d'auteur Aude et Yveline. Des « aborelles, aubergines, puis les pois, la pomme de terre, ensuite, je pars chez des jardinières amateurs aux quatre coins de la France, y, adiapre la récolte des legumes chez mon hôte, j, élabore deux recettes, puis un chef nous rejoint pour préparer un plat autour du produit du jour, que nous dégusterons en fin des émissions, y, ajoute Julie Andrieux, qui est rendue dans le Vaucluse pour la première des potagers de Julie. Elle, animatrice a eu assez droit d'auteur, ADN, y exclure aucun téléspectateur, Mimse ne disposant pas des, un jardin. Yel, émission montre que, un toit, un balcon ou une cour peuvent suffire. Elle, objectif des potagers de Julie est de mettre en avant cette culture potager qui était elle, apanage des anciens. Ils avaient ce savoir-là, que nous avons perdu, moi la première, ma mère ne cuisinait pas, elle était totalement citadine, y, après ça est Julie Andrieux. Ces derniers années, Julie Andrieux a été courtisée par la concurrence. Elle, animatrice S, est refusée à quitter France 3, chaîne avec laquelle elle, y prend le temps, y est où elle est, a pas de pression concernant les audiences. Y certaines chaînes M, on propose des prime times, mais J, et refuse. Je N, était pas à elle, est avec les impératifs économiques qui orientent le contenu, I, a souligné elle, animatrice. I sur France 3, J, est totalement la main sur les potagers de Julie, sur le ton, le rythme et elle, écriture. J, est tendance à vouloir un peu tout faire. Et mon émission, je elle, est concu, je suis très impliquée dedans. Je suis assez libre, à la fois sur cette case et sur la chaîne. Cela me va bien, y, a conclu Julie Andrieux, à retrouver dans les carnets de Julie et les potagers de Julie ce samedi 1er octobre 2022 à partir de 15h15 sur France 3.